quelques témoignages que nous avons reçus par rapport à les prières qui viennent de se passer récemment. Bonjour, je m'appelle Danuta. Je participe très souvent à la prière des malades. Courant du mois de juin, j'ai entendu les paroles de connaissance disant qu'une maman s'inquiète beaucoup des voyages de ses enfants. Et j'ai tout de suite pensé que cette parole est adressée à moi. La suite de la parole disait que Jésus lui dit de ne pas s'inquiéter et que c'est lui qui va veiller sur eux. J'ai ressenti de suite que Dieu est plein d'amour, un amour tellement énorme et débordant, et qu'il s'occupe aussi des banalités de ma vie dans ses moindres détails. Pendant l'été, quand j'ai pensé à ce qui aurait pu arriver, j'ai entendu dans ma tête la parole de Jésus disant « Je te l'avais dit de ne pas s'inquiéter ». Toute pensée négative, toute inquiétude avait complètement disparu. Merci Jésus. Notre que nous venons de recevoir de Marie-Gabrielle. Seigneur, je respire, merci, merci. Je sens que ma rhinite allergique chronique est enfin terminée. Je respire d'un coup, mes voies nasales se sont totalement débouchées, je respire. J'ai fait le test avec mon lavage nasal et c'est bien la première fois que cela se passe aussi bien. Je n'en reviens pas, je respire enfin après 4 ans sans le pouvoir librement. Merci, merci Seigneur, j'ai confiance en toi, je t'aime. Notre témoignage d'Odile. J'aime prier en replay le samedi ou le dimanche soir sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Je présente au Seigneur toutes les personnes malades que je connais. Je suis en Bretagne. Je tiens à témoigner d'une grâce de guérison obtenue lors du temps de prière du jeudi 3 février 2022, retransmis le samedi suivant. Ce soir-là, je ne pensais absolument pas à moi. J'ai entendu cette phrase « Jésus guérit une personne qui souffre des hémorroïdes ». Curieusement, avant d'aller me coucher, je n'ai pas éprouvé le besoin d'appliquer de pommade comme j'en avais l'habitude chaque soir. Ce n'est que quelques jours plus tard que je réalisais et constatais ma guérison. Je tiens donc absolument à témoigner de cette grâce obtenue sans rien demander. Je rends donc grâce au Seigneur, je lui dis merci de tout cœur, qu'il bénisse cette personne qui a reçu cette parole de connaissance. Merci aussi à chaque personne qui vient prier à Saint-Nicolas-des-Champs. Amen.